Le cyberpunk. Quatre éléments permettent de reconnaître le genre cyberpunk. Tout d'abord, le cyberpunk met souvent en scène un futur assez proche avec une société plongée dans le chaos, la famine, une forte lutte des classes, etc. suite à des progrès techniques ou politico-économiques néfastes. Ensuite, les habitants des mondes cyberpunk ont grandi, vivent avec la technologie. Celle-ci fait désormais partie de leur quotidien quand elle ne fait pas partie d'eux-mêmes, avec des puces électroniques intégrées, des membres bioniques par exemple. Les personnages du monde cyberpunk sont des anti-héros, souvent lugubres, cyniques, voire même cupides. Enfin, les mondes cyberpunk sont empreints de violence et de pessimisme. Ils sont souvent lugubres, parfois même grinçants. La science-fiction post-apocalyptique. Le lecteur, ou le spectateur quand il s'agit de cinéma ou de série, découvre ce qui arrive aux survivants de l'humanité après un cataclysme. Cataclysme qui est censé avoir éradiqué de la surface de la planète une grande partie de la population. Le planète Opéra. Le décor est composé par une seule planète, le plus souvent, planète qui est généralement inconnue pour les héros. Ceux-ci doivent alors l'explorer, voire même la conquérir. Le space opéra. Ce genre met en scène l'univers dans lequel se confrontent l'espèce humaine et les extraterrestres. Il peut aussi s'intéresser aux conflits politiques et de civilisation. Le steampunk. Ce genre voit son action se dérouler dans l'atmosphère de la société industrielle du 19e siècle. On va donc retrouver des engrenages, des machines à vapeur, des personnages ressemblant aux personnages finalement de Jules Verne lorsqu'il fait son voyage en ballon ou son voyage au centre de la Terre. L'Uchronie, c'est la réécriture de l'histoire, avec un grand H, à partir de la modification du passé. On prend un événement historique, on le supprime, on le modifie, on le pousse à se produire autrement, et on imagine alors ce qu'aurait pu devenir le monde. La hard science-fiction. Les technologies décrites, les formes sociétales présentes dans l'histoire et les découvertes ne sont pas en contradiction avec l'état des connaissances au moment où l'auteur écrit son œuvre. Le monde semble finalement une évolution normale, un futur possible. La dystopie. Ce genre met en scène une société imaginaire, organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'être heureux. Récapitulons. Nous pouvons identifier 8 sous-genres de la science-fiction. Le cyberpunk, qui présente un monde assez noir. La science-fiction post-apocalyptique, qui suit les tribulations de survivants sur la planète Terre après une catastrophe. Le planète opéra, qui montre une histoire sur une planète inconnue. Le space opéra, qui présente plutôt les relations entre les êtres humains et des civilisations extraterrestres. Le steampunk, qui se caractérise plutôt par son ambiance proche des réalités industrielles du 19e siècle. L'Uchronie, qui montre l'histoire réécrite. La hard science-fiction, dans laquelle l'auteur se plaît à décrire un futur tout à fait probable dans l'état des connaissances qu'il a. Et enfin, la dystopie, qui présente un monde dans lequel les héros, les personnages, sont condamnés à être malheureux.